J'aime bien. OK, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi et donc, comme toujours, on est à un jour moins, c'est-à-dire demain, ce sera vendredi et ce sera la dernière émission donc, de la semaine. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment avec nos invités parce qu'on va parler de moyens de paiement. Mmh. On va parler d'innovation également technologique et à côté de ça, on reste toujours dans la mode et dans les événements qui sont organisés ici et là. Et ailleurs, mais voilà. À côté, on met beaucoup plus l'accent cette fois-ci sur la célébration des élus du jour. Bien entendu, nous allons vous célébrer avec Mentor Ambulant et avec l'Oracle. Aujourd'hui, le plateau est bien coloré. Alors, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Très stylé ce matin. Thank you very much. J'adore ton chapeau cowboy. Ça va super cool. Je l'aime énormément. Ça va très bien. Oui. Alors, que se passe-t-il dans la basse-cour? Je vais dire une case de Gliadio. Ah, beaucoup de choses. Glia. Glia. Oui, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, le jeudi, comme d'habitude, on a un programme aussi atypique pour nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir, bien sûr, de ma part, M. Maurice Mortet, qui nous vient de Ecobank, qui est chef division mobilisation de ressources et banque assurance. OK, d'accord. Et donc, j'espère qu'il n'est pas venu les mains vides. Parce que tu sais que quand tu reçois une banque, tu reçois là. Voilà. Donc, tu dois recevoir trébuchant, là. Voilà, je sens des trébuchantes, des Mona. Oui. Ouais, donc, on va jouer également avec les chers, nos chers téléspectateurs. Donc, ils vont partir avec des bons, vous allez le savoir tout à l'heure. Et donc, il sera là. Nous avons déjà la question, si tu veux bien. Oui, mais avant d'aller à la question, quand même, on va faire le tour de tous les invités qu'on a dans cette émission. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Miss Martha, aujourd'hui, qui revient avec de la mode. Et bien entendu, un visage que j'ai vu il y a très longtemps, qui nous fait le bonheur de revenir nous visiter avec plein de gros bisous. Oui. Mouah, Zelda. Alors, je suis là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand je dis Afro Chic Market, ça vous dit quelque chose? Comme. Market, c'est un marché. Oui. Afro, c'est toi et moi. Chic, c'est toi et moi. Oui, c'est ça, c'est tout. Oui. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir dans Défi Mode d'aujourd'hui. Okay. Afro Chic Market. Ça me fait penser... Au marché, il n'y a pas à manger? Si. Bien sûr, on a parlé de marché. Moi, ça me fait penser, si tu veux, à un marché local. Justement. Un marché local. Okay. Local, ça peut être quand même des produits, des habits, ça peut être de la création artisanale, des bracelets, des accessoires, de la nourriture local, mais local. Si. Mais on reste chez nous en fait. Oui. On a les petits gaou, les. Ah ouais, en fait, c'est vraiment qu'on est chez nous. Oui. Voilà, bien. Et puis vous savez, on va également parler d'autres choses. On parle de Tabis Technologies. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ça? Non. OK. On sera tout à l'heure avec M. Yannick Edem Comlan. Il est le chef commercial à Tabis Technologies. Et puis, ils vont nous montrer, comme je le disais, de nouvelles manières de faire de la technologie. Ça va aller vite, ça va aller bien. J'espère que vous serez concentrés, sinon vous n'allez rien comprendre. Anyway, merci à vous. Et M. Yannick, dans la marmite, cette fois-ci... Et comme toujours, les mains vides, oui, mais je suis contente de savoir que tu nous as ramené une invitée qui va nous faire mieux aimer la cuisine que ce que tu viens nous faire miroiter comme message de cuisine qui reste dans la télévision. Bonjour Yannick. Ça te fait rigoler. Bonjour, c'est vrai, bonjour à tout le monde. Bonjour Tom, c'est que tu bonjour as Bonjour Yannick. Non, mais tu l'as déjà dit. Eh bien, quand on dit quoi cuisiner, vous savez tous déjà c'est de qui on parle. Eh bien, c'est de Madame Janine Akosiwa, épouse d'Egbe Kenvi, qui sera là, qui a écrit ce bouquin et qui viendra nous dire voilà pourquoi. Tu dis qui a écrit ce bouquin? Quel bouquin est couché à côté de toi? Donne-moi le bouquin. Vraiment, alors, ce bouquin. Déjà, à la base, qu'est-ce que c'est ce bouquin, Yannick? Voilà, c'est un recueil de mains de chez nous. Attends, arrête de mettre les numéros de tes copines dans les livres des gens. C'est pas possible. OK, alors, ça, c'est un recueil de repas de chez nous. Voilà, de chez nous. OK. Et qui a été retranscrit dans ce livre, autrement, ou revisité, et retranscrit autrement dans ce bouquin. Et viendra nous dire pourquoi cette idée
Et voilà, si elle, déjà, elle aime la bouffe, on peut lui poser la question. Elle viendra nous détailler. J'espère qu'elle est arrivée avec la bouffe. Oui, on espère. J'ai une autre question. Est-ce qu'elle va nous introduire dans sa cuisine? Parce que oui, un document pour apprendre à cuisiner, c'est agréable. Après, on veut bien aussi aller à la pratique avec madame, voilà, avant de retourner chez nous brûler les marmites. Quoi. Mais on veut bien brûler les vôtres d'abord avant d'aller brûler les nôtres. Donc, on va voir avec madame tout à l'heure si c'est faisable. Bien. Ah oui. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Au carrefour de l'amitié, la sincérité se met au garde-vous. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Invité, ça va. Ça va. Animateur, ça va. Ça va. On nous parle à la maison, ça va aller. Yo, 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 c'est la pose de l'eau. Exactement aujourd'hui, 2 octobre. Octobre, hein? 2 juillet 2022. Et attends, nous faisons bien sûr. Débriefons-en. Juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est très loin là-bas, menteur. Qu'est-ce qui va pas passer? Non, à Mantolande, il y a de différents calendriers. Même en Mantolande, on a 12 mois. Voilà, on est clairement dans le mois de juin, s'il te plaît. Et si tu veux plus de précision, on est même allé planter des arbres hier. On a même ramené les fruits de nos arbres plantés. Regardez avec moi, en même temps, comme ça. Tu vois, du coup, on est toujours en juin. Non, vous savez, chez nous, on réfléchit plus en jour qu'en date. Exactement. Qu'aujourd'hui, c'est un jeudi, un pays élevé. Nous fêtons bien sûr les Yao Yawa. Oui. Un pays kabyen, c'est les Sarah Ballot. Mais sur le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Blandines. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle? L'oracle. Bien sûr, après le jingle. Bien sûr, ça va être après le jingle. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on a envie de vous faire gagner des choses. Vous savez, je sais que vous aimez gagner gratuitement. Voilà, ça c'est évident. Tu vas manger aujourd'hui, manger devant. Et puis, vous savez ce que vous gagnez? Je vais vous montrer. Vous allez gagner des bons d'achat. Justement. Attention, des bons d'achat. Bon, je vais compter le nombre. S'il y en a suffisamment pour qu'on puisse vous faire gagner, c'est bon. Sinon, nous-mêmes, on a déjà gagné dans la poste. Bons d'achat. Alors, nous avons 3 bons d'achat. Non, 5 bons. Attends. Faut bien compter. Tu dis 3, il va rester 2 en truc d'abord. Non? Ça, on va gérer entre nous. Bon, OK. Nous avons 5 bons d'achat pour vous, hein, chers amis téléspectateurs, si vous répondez bien aux questions. Alors déjà, à la base, les bons d'achat sont d'une valeur de 15 000 francs CFA. Donc, vous pouvez aller à Orca Déco, acheter ce que vous voulez avec un bon comme celui-ci. Hein, et puis, vous ressortez. Et ce bon vous est offert par EcoBank. Voilà, la banque panafricaine. Maman? Oui. On peut jouer. Vrai EcoBank là. C'est vrai EcoBank là. C'est pour ça que je disais qu'ils sont venus, ils sont bienvenus. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, nous avons ici 5 bons d'achat. D'accord? Oui. On va faire un jeu très intéressant. Chacun de nous va représenter un téléspectateur. Mm-hmm. OK? D'accord. Je vais poser la question et chacun de nous va répondre chez moi. De toute façon, même si vous répondez mal, vous aurez répondu bien. Parce que de toute façon, personne ne sait ce qui se passe entre nous. Ah, oui. Mm-hmm. Non, attention, vous répondez, mais nous, quand on va piocher les 5 personnes qui auraient gagné, nous allons nous charger d'aller mia de beau les 4 à mes amis. On ira là-bas, on va utiliser ce qu'il y a dessus et puis on viendra vous dire comment est-ce que l'utilisation de ces différents bons a été faite. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vous pouvez quand même jouer parce que c'est grâce à vous que nous allons gagner. Vous avez les meilleures réponses pour nous. Alors, la question que j'ai pour vous, quelle est la différence entre la solution Express Cash et le compte Express? Quelle est la différence entre la solution Express Cash et le compte Express? Voilà. Et donc, n'hésitez pas, hein, allez fouiller, chercher, trouver les bonnes réponses et venez nous aider à gagner. C'est bon. Merci beaucoup. Et maintenant, nous commençons réellement cette émission. Comment c'est dur, la question-là, hein? Non, c'est très facile. Il y a un dénominateur commun, Express. Voilà. Express. Déjà, c'est ça. Express. Je ne vois pas beaucoup le rapport, mais quand Yannick est intelligent, il faut appeler. I love you. Touché. Alors, quelle est la différence entre la solution Express Cash et le compte Express? Voilà, la différence, c'est que ma boucle d'oreille est partie. On va commencer cette émission. On part pour la célébration des anniversaires aujourd'hui. Ce sera juste après le jingle. Et on vous souhaite la bienvenue dans la pause. We'll be right back.
pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est toujours une télé-réalité. Il n'y a rien à cacher ici. Les aléas du métier et tout le reste. On ne va juste pas aller vers ici parce qu'il y a des choses qui se passent. Ah là, c'est bon, c'est fini. Bien, alors aujourd'hui, nous célébrons qui ? Alors aujourd'hui, nous célébrons des gens, mais c'est sous la Senza. Quoi ? Ah. Des gens. Mais c'est sous la Senza. Déjà dis-nous bonjour parce que l'entrée est phénoménale. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Oracle. Ah, bonjour chers téléspectateurs. Ça va, ça va. Je pète la forme. Vous savez, quand les entités embrouillent un peu, ça donne ce que vous voyez. Il faut les libérer. Donc, il faut les libérer. Libérons-les. Bien. Alors, les personnes qui sont sous la Senza, aujourd'hui, pourquoi ne pas les confier entre les mains expertes, justement, de nos experts. Je veux parler, bien entendu, tu sais, EcoBank. Ah oui? On ne peut pas. Quand EcoBank arrive, tu laisses toi EcoBank. Ah, c'est ça, parce que c'est comme ça que tu garantis ton avenir aussi. Hein, c'est là où il y a l'argent, on fait ami-ami avec eux. Et donc, oui, pour soulever cet instrument de musique, on va juste inviter M. Maurice à nous rejoindre sur le plateau. Justement. Avec des applaudissements. Bien sûr. Oui. Bien. Alors, Monsieur Maurice, le premier travail qu'on va vous demander, et moi je suis en train de tout casser, c'est de me suivre, d'accord? Déjà, bonjour. Bonjour, c'est je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. C'est charmant. Merci toi aussi. Je vais saluer. Je vais saluer nos téléspectateurs aussi. Prie, bonjour, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Ils vont super bien. Encore mieux maintenant que vous êtes là. Alors, Monsieur Maurice, venez. Vous allez juste soulever cet instrument-là. Et le document qu'il y a en dessous, vous allez le remettre pour vous. D'accord ? D'accord. Vous êtes avec le micro ? Merci. Attention, ça pèse. Hein. Mais M. Maurice, attention aussi, hein, parce que tout ce qui sera dit après dépendra de vous. Si c'est de bonnes choses, ce sera parfait, c'est grâce à vous. Mais si c'est de vilaines choses, ce sera également de votre faute. Et j'espère que ce sera de bonnes choses, je le remets. Ah, voilà. On va le mettre à l'oracle, juste en face de vous. Super. Merci, bien. Merci bien. On accompagne M. Maurice à sa place. Merci beaucoup. Tu n'as même pas eu envie de m'aider à ramasser mes papiers. Hein. Tu vois, mais vraiment. Laisse-moi, ne ramasse plus. L'histoire retiendra que Yannick ne m'a pas prêté. Il a tout fait pour prendre la carte. Tu l'as vu, non? Alors, on célèbre qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le 2 juin, nous fêtons les Blandines, à l'honneur de Sainte Blandine, martyrisée avec 46 compagnons, parmi lesquels Saint Potin, évêque de Lyon, lors de la grande persécution de l'empereur Marc Aurèle. Okay. Le martyre de Sainte Blandine, qui eut lieu en juillet 177, frappa les esprits car la jeune Blandine survécut à plusieurs supplices et livrée au lion en sortit indemne car ils refusèrent de lui faire le moindre mal. Okay. Elle fut finalement achevée au glaive. Le prénom Blandine vient de Blandus qui signifie plaisant, suave, étymologie latine. D'accord. Quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie active? Alors, vous êtes créée pour la communication, Blandine. Intelligente, charmante et populaire. Blandine Védomé. Mm-hmm. Oui, Blandine. Créée pour la communication. Justement, créée pour la communication. Okay. Alors, vous avez de grands intérêts et peu de choses peuvent vous échapper. La communication est votre force et votre faiblesse. Okay. Vous prenez le rôle d'observateur impartial qui prend tout ce qu'il voit dans et qui prend tout ce qu'il voit plutôt sans être impliqué émotionnellement. Exact. Okay. Mais parfois vous êtes tellement absorbé par des événements que vous oubliez de vérifier les faits. Okay. Lorsque cela se produit, vous retrouvez sur la sellette et commencez à répéter les rumeurs les plus absurdes. D'accord. Un rhumatique incurable. Vous pouvez tomber amoureux de l'idée, même de l'amour. Okay. En cas d'une relation permanente, vous ne niez pas vous-même aller à la fête et ne craignez pas de filtrer. En fin de compte, vous pouvez survivre à quelques romans orageux avant de vous installer et de vous trouver un partenaire permanent. Okay. Vos vies sont rarement faciles, mais c'est même à votre avantage. Mm-hmm. Le fait est que ceux qui sont nés ce jour adorent les difficultés et les problèmes. Oh. Ce sont pour eux les obstacles et les défis. Si leur vie est une série de chances se présentent, ils cherchent eux-mêmes des problèmes et des difficultés avec lesquels ils pourraient se battre. Cet amour des difficultés affecte leur choix de profession. Ok. C'est challenger. Est-ce qu'ils sont, le rapport avec la flore et la faune. Alors, le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. Okay. Votre pierre de naissance est andésine laborite. Oh. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 12, le 14, le 18 et le 23. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le bleu et le vert d'eau. Mm-hmm. Votre jour de chance est le mardi.
Vos fleurs porte bonheur sont Corydalis et la digitale pourpre. OK. Votre plante porte bonheur est le grenadier. D'accord. Donc, on marque naturellement une pause parce que je crois que c'est le bon moment. Les questions à la toute première... les réponses à la toute première question ont commencé par arriver. Express permet de... OK. Bon, je ne sais pas si ce que vous avez dit est vrai ou pas. Mais sinon, voyez, continuez par envoyer vos réponses. Hein. Bien. Alors, coucou la pause, Jeannette. Vous envoie un gros bisou depuis Jeannette. Merci beaucoup, Jeannette. Alors, la vie. Coquine. Océane, tu es magnifique ce matin. Gros bisous. Je vous envoie une farandole de bisous également. Merci beaucoup. Farandole. Farandole, c'est-à-dire une immensité. C'est non, mais juste pharaonique. C'est juste que tu le vois, c'est une grandeur, c'est une extraordinarité. C'est une... Pas mal, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Tu veux continuer? Non, c'est bon. Une ribambelle de bisous. Merci, c'est ça. Bravo, bravo. Voilà, tu y étais en fait. Alors, salut, c'est Ben Adoboué depuis le Bénin. Océane, un petit coucou à votre invité du jour. Monsieur Maurice, il vous envoie plein de bisous. Pourquoi? C'est à l'invité ou bien à l'éco-banque? Tu veux comprendre? C'est ça. Je voulais dire, pourquoi vous aimez l'argent comme ça? Quand vous aimez l'argent comme ça, depuis nous-mêmes, vous n'avez pas envoyé de coucou à quelqu'un sur le plateau. Mais dès qu'on a dit Monsieur Maurice, vous saluez Monsieur Maurice comme si c'était le voisin du quartier. Hein? Il faut arrêter ça quand même. Hein? Sinon, on vous envoie plein de bisous là-bas aussi au Bénin. Oui. Alors, priez. C'est Pierre depuis Adido Gomé. Il vous dit un coucou spécial. Merci. Coucou. Alors, Godwin depuis Kpalimé, il vous envoie un gros bisou. Merci, Godwin. Bonjour, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission à toute l'équipe, c'est Arsène depuis Adéti Copé. Merci Arsène. Alors, salut la pause. Salut. Vous êtes trop mignons aujourd'hui. Merci. Quelqu'un même quand tu tout voilà. En fait, je lis les réponses. Tu vois, je comprends que c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, on va poursuivre. L'animal porte bonheur. J'ai entendu dans les couloirs que ben, ce n'est pas du tout agréable. Hier, on était avec un animal pour Mme Kaidobé. D'ailleurs, Mme Kaidobé, voilà, enfin, sa partie, si vous voulez, ou alors sa participation dans l'émission La Pause vous sera rediffusée en extrait tout à l'heure dans cette émission. Mais, elle avait un animal hier. Oui, c'était un animal. C'est un ranger. C'est la race des rangers. Chinchilla. Le chinchilla. C'était ça pour elle, le chinchilla. Et donc, on ne sait pas parce qu'elle, elle est née le 13 février. Ouais. Mais on parle, bien entendu, de ceux qui sont nés aujourd'hui le 2 juin. Le 2 juin. Voilà. Voilà. Donc, votre animal porte bonheur, bout de tambour. Quelqu'un peut faire du bruit pour moi, s'il vous plaît. On va afficher à l'écran et c'est parti. Alors, votre animal porte bonheur est le drill. Le quoi? Le drill. Le quoi? Non, c'est ça, les rappeurs utilisent. Il s'appelle drill. Ouais, drill. Ah, ça. On l'écrit comme drill. Des rappeurs. Ouais. On dirait Rafiki. On dirait Rafiki. Je crois qu'on a de sérieux problèmes aujourd'hui. Rock, on dirait l'animal porte bonheur de ceux qui sont nés. Le 2 juin, d'accord. Si vous êtes né le 2 juin, j'adore, ça n'a rien à voir avec nous. Vous êtes une personne forte, rageuse, avec des pieds. J'ai juste envie de vous dire comment vous êtes, en fait. Vous êtes une personne forte, vous êtes une personne enragée, une personne déterminée, une personne puissante. Charismatique. Charismatique. Une personne, voilà, exactement comme ce que vous avez à l'écran. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Avec tout notre amour. Bien. C'est bon. Oui, ça va aller. C'est bon. Ça fait peur, ça. Blandine, ma chérie Coco, je te souhaite tout ce qui... Tu sais que je t'aime, hein, petite sœur. Beaucoup. Je souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Franchement, tous les matins quand tu te réveilles, prends la photo de ton animal porte-bonheur. Inspire-toi, son. Regarde son expression, ses différentes expressions. Naïda ne peut pas supporter ça. Allez, devoir de mémoire. Histoire de répertoire. Justement, je ne sais pas si on aura une ressemblance entre celui qui a joué le rôle principal dans ce clip-là avec l'animal porte-bonheur, mais on verra. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, il est ivoirien. Il a enregistré son premier album foudroyant en 1990.
plus de 300 exemplaires vendus en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Il a gagné le meilleur clip africain aux Awards Africains. Voilà. Il a chanté « Cabrimon n'a pas peur de couteau oui. ». Il a chanté « Mugu Man ». Il a chanté aussi « Au nom de Dieu ». Découvrons ensemble ce clip. Jombri. Tu es dans le quartier. Inno, on y va. Le gars t'a sa boîte, là, tu dis rien. Mais si c'est tchatché, là, tu es fort. Wow, wow, yeah. Le gars t'a sa boîte, là, tu dis rien. Mais si c'est ouba, ouba, tu es fort. Wow, wow, yeah. Voilà, alors ça, c'était un morceau légendaire de Serge Cassis de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Dis le sergent. On est venu découvrir, enfin, nous, on était on vraiment était tout petits voilà, quand justement. C'est, oui, c'est venu. C'est mais moi, j'adore toujours le message que véhicule ce morceau. En fait, je veux juste envoyer un message à tous ceux qui nous regardent. Mm-hmm. Il ne faut pas penser, on dit souvent qu'il y a 10 jours pour le propriétaire, pour le voleur et puis un jour pour le propriétaire. Hein. Vous pouvez être fort n'importe comment, mais one si day. Dieu décide, un jour, quelqu'un va vous mettre à terre, là, c'est David et Goliath, vous n'irez nulle part. Ça va se passer, il va rien.
rien se passer. Vous avez compris? Donc, il faut soyez humble. Voilà, soyez humble. Il faut être humble dans la vie. Bien. Alors, on veut également souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et j'espère parmi vous que vous aurez, on aura des gagnants pour repartir avec les bons offerts par EcoBank. Des bons d'achat à Orca Déco, donc de 15 000 francs CFA, donc de la valeur de 15 000 francs CFA. Et donc, si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, on vous met en priorité. Envoyez la bonne réponse et vous envoyez la bonne réponse. Vous dites que vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Hey, maman, si vous n'êtes pas né aujourd'hui, tout le monde va naître aujourd'hui. Vous voyez, moi je l'ai dit, hein, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire, on finira par savoir. Mais sinon, on vous met en priorité quand même. Alors, avec la complicité de Monsieur Maurice, on va aller célébrer les anniversaires avec cette vidéo. Et quand on va revenir, on va vous mettre la différence entre ces deux notions. On parlait bien entendu de la différence entre la solution Express Cash et le compte Express. Si vous avez trouvé là, c'est après ça qu'on saura. Allez, vidéo. Encore à vous et merci pour toutes les réponses qui viennent justement pour soutenir la question de la différence entre la solution Express Cash et le compte Express. Alors, nous avons le bonheur de recevoir ici M. Maurice Mortet, qui est le chef division mobilisation des ressources et banque assurance à EcoBank. Et d'ailleurs, EcoBank aujourd'hui qui vous donne la possibilité de repartir avec des bons d'achat en partenariat avec Orca Déco, donc des bons d'une valeur de 15 000 francs CFA. Mais pour partir avec ces bons, vous devez faire partie des 5 gagnants ayant envoyé les bonnes réponses à la question. À partir de cet instant, stop, aucune réponse n'est considérée encore parce que la vraie réponse sera donnée. Voilà. Alors, si vous envoyez des messages ou que vous n'avez pas pu envoyer de message avant maintenant, c'est fini, on ne prend plus de messages du tout. Bien. Bonjour, M. Maurice. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Moi, on va très, très bien. Comment on ira mal? M. Maurice, on va très, très bien. Il y a l'argent. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Alors là, on a une solution à nos problèmes, hein, vous voyez. Alors, comment ça va avec vous? Ça va très bien. Le groupe vient de publier encore récemment ses résultats. On a
Le groupe a enregistré pour 2021 un résultat record. Okay. Et donc, je peux vous rassurer, l'institution se porte très bien. Voilà. Non, nous-mêmes, ça nous rassure beaucoup que vous avez de bons résultats. Comme ça, votre générosité va être encore plus élargie. Voilà. Bien. Alors, M. Maurice, les deux notions dont vous aviez parlé, quelle est la différence? Déjà, il faudrait qu'on parte sur les définitions avant d'instaurer la différence. Oui. Okay, merci Océane. Donc, encore une fois, bonjour aux téléspectateurs. Donc, je vais d'abord parler de la solution Express Cash et ensuite, je parlerai du compte Express. Ouais. Mais avant ça, ce serait bien que je présente un peu l'institution EcoBank. EcoBank, vous l'avez dit, c'est la banque panafricaine, c'est la banque des Africains et c'est le plus grand groupe bancaire d'Afrique subsaharienne. Nous sommes présents dans 35 pays en Afrique et nous avons une application mobile qui fonctionne dans 33 pays et nous avons des présences à Paris, à Londres, à Chine et dans bien d'autres pays où nous nous rendons compte que les Africains se rendent très souvent pour leur permettre de pouvoir disposer de leurs fonds dans ces pays-là. Donc, au Togo, nous sommes la banque, EcoBank Togo est la banque la plus innovante du Togo. Ça a été confirmé d'ailleurs l'année dernière avec un prix qui nous a été décerné par des banqueurs qui est du magazine Financial Times que vous devez connaître. Mmh. Et c'est un award qui est décerné depuis 1888. Donc, vous comprenez que c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Donc, voilà un peu EcoBank Togo. Et nous sommes présents dans toutes les régions du Togo. Nous avons 11 agences actuellement à Lomé et 7 à l'intérieur du pays. Donc, on est aussi reconnu comme la banque digitale par excellence de la place. Et sur ce plan-là, on n'a pas de concurrent. Wow. Hey. Ça vous dit ça. Hein. On n'a pas de concurrent. J'ai juste envie de prendre ma valise. L'émission est terminée. On va rentrer à la maison. Bien. D'accord. Donc, on va revenir donc justement sur la question. Donc, que ce soit donc la solution Express Cash ou le compte Express, on parle déjà du digital. D'accord. Et ça, c'est le point commun. Express Cash, c'est la solution qui vous permet d'envoyer de l'argent à partir de notre application mobile ou même de faire un retrait. Je vous explique. Aujourd'hui, vous avez la possibilité donc d'ouvrir un compte sans venir à la banque ou bien d'accéder à votre compte à partir de votre téléphone. Si vous avez un smartphone, il suffit d'aller sur Play Store pour ceux qui ont des téléphones Android ou App Store pour ceux qui ont des iPhones. Et donc, vous téléchargez l'application EcoBank Mobile. Généralement, vous verrez une nouvelle version et vous téléchargez. À partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous êtes nouveau client, ouvrir un compte ou bien accéder à votre compte si vous êtes déjà client. Ouais. Et donc, dans le menu de l'application mobile, donc, vous avez la solution Express Cash qui vous permet, on va dire, soit de retirer de l'argent ou soit d'envoyer de l'argent. Mm-hmm. Retirer de l'argent comment? Supposez que vous vous retrouvez en ville et que vous n'avez pas sur vous votre carte automatique. Ouais. Par habitude, on a toujours notre téléphone portable sur nous. Ah, ça, on ne peut pas laisser. Et donc, vous rentrez dans l'application mobile, vous cliquez juste sur donc, Express Cash et le système vous demandera le montant que vous souhaitez retirer et vous demandera de mettre votre code PIN pour confirmer. Une fois que vous faites ça, le système va vous générer un code que vous allez toucher directement au guichet automatique sans votre carte. Et cette solution-là, on est la seule banque à l'offrir. Wow. Et je suis choquée. Trop choquée. Parce que j'ai mes frères qui sont, vous voyez, de l'autre côté de la mer, qui trouvent toujours des raisons de ne pas envoyer de l'argent au pays. Alors que ça, là, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Oui. Encore. Et pour eux, on a même une solution qui est destinée à la diaspora, qui s'appelle Rapid Transfer App, qui leur permet d'envoyer de l'argent à leurs proches pour des montants qui peuvent aller jusqu'à 0 francs de frais de transfert. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus un souci d'envoyer de l'argent, pour ses proches. Et je vais terminer donc mes propos sur la solution Express Cash. Donc, voilà, c'est une solution de retrait d'argent, mais c'est aussi un moyen de transfert. C'est-à-dire que ce code-là que vous générez à partir de l'application, vous pouvez donc l'envoyer à un proche ou à un bénéficiaire qui pourra justement se rendre soit à un guichet automatique et donc taper le code
et retirer de l'argent, ou aller à un point express. Les points express, ce sont nos partenaires que vous avez en ville. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous en avons 1600 au Togo, toujours pour être plus proche de notre clientèle, pour encaisser donc ce code-là et pouvoir faire, en tout cas, ce pourquoi l'argent est envoyé. Donc, voilà la solution Express Cash. Et vous faites bien de l'appeler solution, parce que quand on parle de produit, généralement, je pense qu'on se situe du côté de l'entreprise. Mais quand on parle de solution, évidemment, on comprend bien qu'on pense au client. Ouais. Et donc, une solution qui vient répondre à une préoccupation donc, du client. Donc, on va parler maintenant du compte Express. Oui. Donc, on a compris que la solution Express Cash est à la fois un money transfer et une solution de retrait. Et maintenant, le compte Express Cash, comme son nom, le compte Express, pardon, comme son nom l'indique, c'est un compte. Mais c'est un compte numérique, d'accord, que vous ouvrez à partir de l'application EcoBanque Mobile. Et donc, c'est un compte sans formalité, comme nous disons, c'est-à-dire qu'il suffit donc, pour ceux qui ont des smartphones, donc après avoir téléchargé l'application, de choisir nouveau client. Mm-hmm. Et vous avez un menu, vous remplissez en quelques secondes et paf, votre compte est ouvert. Donc aujourd'hui, pour ouvrir un compte, en réalité, vous n'avez plus besoin de venir forcément en banque. Et encore, pour nos parents, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des contraintes de pièces d'identité, par exemple, le compte Express est vraiment le compte adapté pour eux. Parce que après, c'est vrai que pour le compte Express a une limite pour aller sur des gros montants, il va falloir forcément venir en agence pour se faire identifier. Donc, le compte Express est le compte numérique que nous ouvrons à partir de l'application mobile, sans formalité et en quelques clics. Et donc, pour faire un peu la liaison à partir du compte Express, vous pouvez générer donc Express Cash pour envoyer de l'argent. Je vais terminer en disant qu'il n'y a pas que le smartphone qui permette de faire cette transaction-là. Pour ceux qui ont des téléphones analogiques que nous appelons... M+1. Il suffit donc pour les abonnés Move de composer étoile 3, 2, 6, 10 et donc d'accéder au menu et d'ouvrir son compte ou de générer un code Express Cash pour aller l'encaisser. Ça a l'air tellement agréable et facile aussi. Et vous savez, M. Maurice, il y a plein de gens qui ont essayé. Maintenant, je dis essayé parce que je lis certaines réponses là, les gars, en cas de parler sérieusement. Vous pouvez tricher au moins un peu quand même. Alors, il y a une personne qui a dit pour le Cash Express, pas besoin d'être titulaire d'un compte EcoBanque pour faire un prêt. Vous me direz si c'est vrai ou faux, d'accord? Après tout ce que vous nous avez dévoilé comme belle analyse. Justement. Alors que le compte Express, vous pouvez faire le prêt avec un compte. OK. Monsieur Maurice n'est pas convaincu. Non, il n'est pas convaincu. Bon, pour la première partie de la réponse, je serais tenté d'être, en tout cas en partie, d'accord avec lui quand il dit que vous n'avez pas forcément besoin d'être client EcoBanque pour bénéficier d'une solution Express Cash. Puisque c'est vrai, celui qui génère la transaction est client EcoBanque, puisque c'est à partir d'un compte, mais celui qui va encaisser, il n'a pas besoin d'être client EcoBanque. On lui envoie un code. Il se rapproche d'un guichet automatique ou d'un point express et il encaisse tranquillement les fonds. Ni vu ni connu. Voilà. Et vraiment, cette discrétion-là est importante. C'est vrai. Parce que le propriétaire ne doit pas savoir comment envoyer. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que pour celui qui envoie, vous envoie de l'argent en toute discrétion, dans le confort de votre bureau ou de votre salon ou même de votre chambre, et celui qui va encaisser va à un guichet automatique encaisser. Ni vu, ni connu. Personne ne sait. Ça me plaît. Que vous venez d'envoyer de l'argent ou que vous venez de retirer de l'argent. Il faut être discret avec les transactions financières. Non, c'est question là. Et encore, ça marche dans les 8 pays de l'UEMOA. C'est-à-dire que quand je génère un code express ici aujourd'hui au Togo, ce code peut être encaissé au Bénin, au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau. Ouais. En tout cas, dans les 8 pays de l'UEMOA, ça marche. Donc, pour nos parents qui ont des enfants à l'étranger ou qui font même des affaires à l'étranger ou qui ont des proches à l'étranger, voilà la solution rapide et moins chère pour envoyer de l'argent à vos proches. J'ai une question. Alors, j'ai compris, il y a beaucoup d'avantages, mais quelle est la durée de validité du code de retrait Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un code généré est valide 72 heures, donc 3 jours. Okay. Donc, quand vous générez le code...
celui qui l'a, en fait, que ce soit vous-même pour retirer ou une personne, une tierce personne, il a 3 jours pour encaisser. Si ce n'est pas fait, qu'est-ce que le système fait? Il renvoie l'argent sur le compte de l'expéditeur après 3 jours. Okay. Okay. D'accord. Pour des raisons de sécurité. Oui, dans l'argent, là, il faut mettre la sécurité aussi. Alors, Monsieur Maurice, on va maintenant choisir les personnes qui ont trouvé les bonnes réponses. D'accord. D'accord. Alors, il y a une personne ici qui dit... La solution Express Cash d'EcoBank est une solution alternative de retrait d'argent qui facilite la gestion des cartes. Oh, tu as fait Google, hein? Qui facilite la gestion des cartes bancaires et des comptes électroniques, alors que le compte Express d'EcoBank permet de retirer l'argent sans carte bancaire à partir de l'application mobile de la banque. Je pense qu'il a... Il faut faire ça. Il était très bien parti. Et puis tout ça mélangé comme du n'importe quoi. Il était très bien parti. Mais alors, s'il y a d'autres réponses, allons-y. Après, on verra ce qu'on pourra faire. Après, on va voir si vous aviez raison ou pas. Alors, le compte Cash Express est un moyen le plus sûr de porter de l'argent sur soi. Il suffit juste de l'approvisionner ou régler vos achats et vos retraits. D'accord? Oui. Le Cash Express est le premier réseau de secteur à garantir 6 mois pour les produits pendant que les concurrents proposent... Hein? On est où là? Je pense que tout à l'heure, je pense que c'est Yannick qui disait tout à l'heure qu'il y avait un mot commun qui est express. Express, vraiment, oui. Ça veut dire rapidité. Ah, et ouais. C'est l'une des caractéristiques de nos solutions. Ouais. Mais je pense que le client, le téléspectateur qui a répondu, a confondu avec. Il y a aussi la Cash Express qui est bien différente de la solution Express Cash. Donc la carte, en fait, c'est une carte. C'est une carte justement de retrait qui s'appelle Cash Express que vous chargez et avec laquelle vous voyagez ou vous faites des retraits. C'est comme une carte prépayée. Vous voyez, la tricherie n'est pas bien. Moi, je vous ai dit, il ne faut pas tricher. Vous êtes allé tricher, vous avez fouillé, vous avez pris la mauvaise réponse. Vous voyez maintenant, bon pour rien. Alors, le compte Express est un compte virtuel qu'on crée sur le mobile suivant les informations, tandis que l'Express Cash est l'opération du donner et du recevoir. Je serais tenté de lui accorder. Oui. Moi-même, je t'accorde. Je il faut prendre. Alors, c'est Madame Jeannette Béni. Son numéro, c'est le 90 07 76 18. Bien. 90 07 76 76 pardon 18. Madame Jeannette, si vous nous regardez, vous venez de remporter un bon d'achat de 15 000 francs CFA offert par EcoBank pour Orca Déco. Avec nos félicitations. Avec toutes les félicitations et on va vous attendre devant Orca Déco là-bas pour vous montrer comment ça s'utilise. On continue alors. Il y a d'autres personnes qui ont également essayé de donner les bonnes réponses. Je vais lire quelques autres réponses. La carte Cash Express, déjà c'est mal parti. D'accord. Est une carte prépayée. Non. Ça ne passe pas. Hein, aujourd'hui, là, je Ogbo. Ogbo, quoi? Hein? Ogbo. OK. Alors, un compte Express est un compte courant permettant d'effectuer diverses opérations financières et surtout commerciales. En faisant simple, ça peut être aussi très dangereux. Je dis ça, je ne dis rien. Un Express Cash est un composant d'un compte Express permettant de retirer de l'argent sur les guichets automatiques EcoBank. Je serais tenté de lui accorder. On vous accorde. Alors, le 97 92 57 15. Il faut crier. Vous avez le droit de crier. Oui. Ouais. 97 92 57 15. Roselyne, vous venez de gagner, vous également, un bon d'achat d'une valeur de 15 000 francs CFA offert par EcoBank. Et donc, bon, c'est Orca. On vous attendra aussi là-bas pour vous montrer comment ça s'utilise. Bien, merci. Alors, une troisième personne pour voir si on aura une troisième personne qui va gagner ou pas. On va tenter rapidement. Alors, attention, hein, ceux qui ont pris la bonne réponse vite fait là, pour venir dire vive Dieu vous voit. Alors, salut la pause. Salut. La différence entre la solution Express Cash et le compte Express est que la solution permet de retirer de l'argent sans carte à partir de l'application mobile de la banque, alors que le compte est un compte bancaire que vous ouvrez vous-même directement depuis l'application mobile. Je donne. Oui. Wow. Toi, tu sais tricher. Je suis fière de toi. 92 11 00 75. Voilà. Donc, vous irez à Orca Déco, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, la différence réside dans le fait de pouvoir retirer partout où l'on se trouve de l'argent dans un guichet EcoBank avec cette solution Express.
Quelqu'un au béa flou ticha. Au béa tchaka ticha que fiole moi. Non, mais c'est bien d'essayer. Hein. Oui, oui, oui. En fait, je pense que le téléspectateur s'est axé sur la différence. La différence. Alors que peut-être qu'il fallait présenter les deux solutions. Bon, après, on verra bien. OK. Alors, il y a encore une autre... On a combien de personnes déjà? On a déjà trois. On a trois personnes, il en reste deux. Compte Express, c'est un compte qu'on peut ouvrir rapidement à travers l'application mobile EcoBank et une possibilité de retrait auprès d'une agence Express. Alors, la solution Express, par contre, on peut ne pas être titulaire d'un compte EcoBank, mais juste aller à une agence pour un approvisionnement de cartes électroniques. Je pense qu'il confond avec la carte cachée. Avec, justement... Oui. Mais il est bien parti. On le repêche ou... Après, c'est le forum qui décide. Hein. Voilà, donc, ouais, après, le forum a décidé après. Le forum c'est décide une toujours... C'est un homme. Non, déjà, c'est un grand garçon. Franchement, c'est un grand garçon. Bon, alors, on a déjà trois personnes. Je ne lis plus les autres messages parce qu'il y a trop de messages. Oui. Voilà, c'est pas bien. Alors, quelqu'un, par contre, dit, est-ce qu'on peut ouvrir un compte à EcoBank si la personne est à l'étranger? Parfaitement. C'est une belle question. La personne est au Gabon, d'ailleurs. D'accord. C'est une belle question. Je pense aussi qu'on est encore pionnier dans ce domaine en mettant une plateforme en ligne à disposition de nos clients sur www.ecobank.com. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte en ligne et donc de télécharger donc, vos pièces d'identité et vos photos, mm-hmm. de déposer une signature électronique et de valider mm-hmm. pour que votre compte soit ouvert. Donc, mm-hmm. vous recevrez après, donc, dans les champs, vous mettrez votre adresse mail, vous recevrez dans les 24 heures tout au plus votre numéro de compte avec un relevé d'identité bancaire qui vous permet donc de faire des transactions. Super. Et je pense encore une fois... sur la place, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres. Merci. Nous, à Sigbalo, tu es. Nous, on n'a pas grand-chose à dire. Par contre, je veux revenir sur le délai de validité de l'express délivré, parce qu'on peut vous l'envoyer et sans faire attention, vous oubliez d'aller retirer. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment ça se passe dans ce cas? Bien sûr. Donc, je disais, après 3 jours, si le code n'est pas encaissé, qu'est-ce que la plateforme fait? Ben, il reverse les fonds sur le compte de l'expéditeur. Oui. Ça voudrait dire que si vous n'avez pas pu l'encaisser, vous devriez demander donc à l'expéditeur de vous renvoyer un autre code, de générer un autre code et de vous le renvoyer. D'accord. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si vous avez d'autres questions, vous avez la possibilité de les poser maintenant. Mais on a choisi 3 personnes qui, d'emblée, ont répondu correctement à la question. La question était de nous donner la différence entre la solution Express Cash et le compte Express. Voilà. Alors, il y a 2 personnes qu'on va repêcher. Mais bon, on peut aussi les repêcher dans la pause. Hein. Ce n'est pas un problème. Non. Vous pensez que Orkala, c'est vous seul hein? C'est quoi les choses que vous faites? Oui, 3 personnes, même, c'est déjà bon. Pour les téléspectateurs, 3, c'est bon. C'est bon, non? 3 pour le peuple, 2 pour nous. C'est bon, c'est bien, je pense. Alors, un dernier mot rapidement. D'accord. Je pense que je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez donc, de parler donc, de cette solution-là. Sinon, les opportunités, il n'y a que la pause qui donne ici au pays. Bah oui, ça, c'est... Merci, je vous en remercie. Je vous en remercie. Donc, je voudrais aussi remercier donc, nos téléspectateurs et nos clients, ceux qui nous font confiance. J'ai vu tout à l'heure et j'ai compris qu'avec le nombre de réponses que nous avons reçues, que nos produits sont connus et intéressent la population. Donc, je vais donc vous les inviter à l'essayer et à vraiment passer au digital pour goûter au plaisir du digital. Donc, encore une fois, merci. Et d'aventure, si ils ont des préoccupations, ils peuvent nous appeler pour que nous puissions les assister. On a un centre d'appel, mais on a aussi, dans l'enceinte de l'Université de Lomé, une agence qui est vraiment dédiée au digital et qui peut régler toutes les questions liées au digital. Donc, vraiment, c'est une invitation donc, à continuer par nous faire confiance et à expérimenter le digital. Alors, est-ce qu'on voudrait avoir des informations quand même? Est-ce qu'on peut avoir le numéro du call center? Du call center, OK. C'est le 22 50 53 76.
Alors, le 22 50 53 76. Voilà. Si vous avez toutes questions à poser, parce que je sais qu'il y en a qui veulent, qui sont très riches, mais qui ne veulent pas nous poser les questions pour qu'on sache que voilà. Au galop aussi. Donc, ils préfèrent encore venir vous poser les questions inbox. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Maurice Morté. Je rappelle que vous êtes le chef division mobilisation de ressources et banque assurance à EcoBank. Et le plateau vous est toujours bien ouvert. Hein. Vous venez quand vous voulez. La prochaine fois, il faut aussi prévoir des bons pour la pause. Ne vous inquiétez pas. Nous aussi, on veut bien aller faire un tour. Non, à voilà, ça c'est vrai. Surtout dans les rayons boissons. Qu'est-ce que je dis, merci beaucoup, monsieur Morté. Merci. Bien, alors, les deux autres personnes qui vont repartir avec les deux autres bons avant la fin de cette émission, on va vous trouver. Pour ça, ne vous inquiétez pas du tout. Hein. Oui. On peut vous permettre de gagner dans la rubrique de Yannick ou encore avec Miss Martha ou même par rapport à la formation du samedi. Est-ce justement, que vous êtes déjà inscrit? Du samedi. Tout d'ailleurs, même c'est sur la formation, elle vient donner le je bon. Si vous n'êtes pas inscrit, préfère. c'est pas bien. Je moi, je préfère laisser tomber. Oui. Anyway, M. Morté, quel est votre plat togolais préféré? Ben, c'est la pâte de maïs, ça va vous étonner. Avec quelle sauce? À des mains, bien sûr. Yeah. Très bon choix. Combien de pièces? 6 pièces. Ah, même, c'est EcoBank, 18 pièces. Non, très, très bon choix. Franchement, oui, très, très bon choix. Alors, on va inviter une dame qui, elle, s'est engagée dans la mise en valeur de nos repas locaux, de nos mets locaux. Elle a revisité tous ces mets-là pour qu'on puisse se les faire soi-même à la maison. Et pour qu'on puisse partager de bons moments en famille. D'où est venue cette idée et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans son implémentation? On va le savoir, ce sera dans la marmite tout de suite, mais juste après le jingle. Calebasse Club Actu 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivots conscients, Jeff et Menteur Ambulant, accueillent Amis du Slam, l'image du slam ivoirien au Togo, pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo, à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame. Le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calebasse Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calebasse Challenge et l'Institut français du Togo. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Bien, alors il est 12h23 à notre montre et je pense que certains d'entre vous sont déjà à la cuisine. Alors, qu'est-ce que vous aviez pensé cuisiner aujourd'hui? Est-ce que c'est le légendaire Adémé, 12 pièces, 24 pièces d'EcoBank de M. Maurice? Ou alors, vous aviez eu envie d'aller sur du Boma Dessi, du Agbamé Dessi, Asie Dessi, mais il y a aussi Batakwa de Steven Aff. Justement, voilà, le ça Batakwa. Aussi, en tout cas, on ne sait pas ce que vous cuisinez, hein, mais si vous manquez toujours d'inspiration, laissez passer le midi. Ce n'est pas grave, allez juste au marché après que madame aurait intervenu. Voilà. Faites le marché et le soir, rentrez dans votre cuisine et sortez-nous un bon mets. Mais n'oubliez pas de nous inviter, s'il vous plaît. Bien. Alors, Yannick.
Oui, Océane, tu as tout résumé. On reçoit, comme je l'ai dit, Madame Janine Akosiwa, pardon, épouse Kenvi Degbe. Et ici, donc, je vais donner la parole à Madame déjà de s'introduire et. Alors, on va prendre le micro juste en face de madame. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de La Pause. Bienvenue chez nous. Alors, madame Kenvi, je ne sais pas, hein, vous, pour aller cuisiner, là, quand vous voulez faire la cuisine là, c'est tonton, monsieur Kenvi, à qui j'envoie un gros coucou, qui vous fait, fait quoi, un chèque à la fin du mois ou bien c'est au cas par cas, c'est cash-cash express. Chaque foyer a son style, son système et on décide au cas par cas, on décide de ce qu'on veut faire. Ça peut être un chèque, un mois ou l'autre, je dis non, je le traîne même des fois au marché. J'aime bien faire ça et on fait les achats ensemble, des fois on prépare ensemble. Ah. Et certains dimanches, il aime bien me faire plaisir et il me sert. Des monsieur Kenvi, là, on n'en produit plus. Quel est le problème? Bon, d'accord, alors restez avec nous. Alors, juste à côté de Yannick, nous avons monsieur Ilem Kom, là. Il se nomme Yannick également, d'ailleurs, ça tombe bien. Vous êtes le chef commercial à Tabis Technologie. Alors, Tabis Technologie, qu'est-ce que c'est? En fait, nous développons des applications. Nous sommes en développement des applications. Comme vous pouvez le savoir, nous développons des applications. Il y a T-Bar, il y a T-Commerce, il y a T-Hôtel. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à tout le monde de gérer son entreprise. Parce qu'on a vu que nous, voilà, les gens mettent de l'argent dans les entreprises, mais bon, ça ne prend pas. Si nous prenons, par exemple, T-Bar. T-Bar, ça répond pour les bars et les restaurants. Ça vous permet de gérer votre stock, d'être à distance. Parce que vous pouvez télécharger, vous pouvez télécharger sur votre portable. Par Play Store, vous avez T-Bar, T-Commerce, T-Hôtel, ça dépend. Vous le téléchargez et vous, le propriétaire, vous pouvez être à distance et suivre tout ce qui se passe. Quand on fait une vente, vous avez une notification intérieure que telle chose a été vendue. À telle heure, et vous pouvez même mettre le nom du client pour tel client. Mais pour avoir plus de visibilité. Justement, et que non, voilà, le sort qui était initialement de tel est passé à tel. Donc ça vous permet d'être tranquille, de faire une gérance à distance. Donc on a déjà l'application T-E-Commerce, vous avez T-E-Hôtel et vous avez parlé également de T-Bar. Ouais. T-Bar, comme je l'ai dit, c'est pour les bars et les restaurants. T-Commerce, c'est pour... quincaillerie, supermarché, supérette, des choses comme ça. Et bon, pour le petit commerce, c'est pour gérer les auberges. Bon, les hôtels, beaucoup de choses. Donc, ça permet, comme je le dis, c'est assez fluide. Notre interface est assez fluide. Ça vous permet de suivre à distance, de savoir ce qui se passe en temps réel chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'être sur place. Mais attendez, monsieur Yannick, j'ai une question. Aujourd'hui, on a tellement d'applications. Sion, vous savez, il y a des applications qui poussent partout, un peu partout, comme du champignon, où on vous dit que ça garantit la suivi de votre stock, que ça vous permet de faire un bon suivi comptable, on ne peut pas vous voler et tout le reste. Et du coup, quand vous nous parlez de cette innovation, quelle est la particularité? Pourquoi est-ce que je choisis vos applications plutôt que d'aller vers une application... En fait, le truc, nous, pour nous, notre application, comme je l'ai dit tantôt, c'est assez fluide. Quand c'est dit assez fluide, ça vous permet d'avoir une notification, ça vous permet de faire une petite comptabilité. Oui. C'est pas une petite comptabilité, ça vous permet de gérer votre stock, votre caisse en temps réel. Nous avons des applications qui coûtent très cher. Oui. Qui coûtent très cher et après, c'est pour venir appliquer beaucoup de choses. Mais nous, c'est assez fluide. Oui. Notre abonnement, c'est... très, 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 très bas prix. Puisque nous, notre application, elle est en ligne. C'est pourquoi ça vous permet, à vous, en tant que propriétaire, ou bien le gérant, d'être à distance et suivre tout ce qui se passe chez vous. Voilà. Notre application est en ligne. Parce que tout est numérique aujourd'hui. Justement. Donc, cela vous permet, comme je le dis tantôt, d'avoir une automatisation de tout ce qui se fait chez vous, sans que vous-même vous êtes là-bas. D'accord. Donc, par contre, pour les autres applis,
c'est pas en ligne. Ouais. On vous le met, c'est parti pour un an et après on vient faire des suivis ou cela. Pour nous, c'est en ligne et ça permet d'avoir une fluidité de tout ce qui se fait, tout ce qui se fait. C'est instantané. Hein. Ouais. C'est spontané. Ouais. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que c'était à prix très très bas. Mais on sait au c'est Togo que bas, bas même peut être très haut. Chez certains. Prix très bas, c'est combien, non, en fait, nous, notre... Bon, parce que chez nous, il faut faire des abonnements pour le logiciel. D'accord. Il faut faire des abonnements. Nous avons des abonnements mensuels qui est à 9 500. Chaque fin du mois, vous le payez. Bon, c'est comme les trucs de canapé. C'est vous le payez. Parce que nous avons des secteurs d'abonnement. Il y a le pro, il y a le basique. Il y a le classique. Ouais. Le pro, c'est à 9 500 par mois. Okay. Ça vous permet d'avoir tout ce qui se fait sur notre interface. Bon, on le fait trimestriellement, on le fait annuellement. Ouais. Trimestriellement, c'est en 27 000 et annuellement, c'est en 100 000. Ben, maintenant, ces derniers temps, on est en promotion. D'accord. J'aimerais peut-être après passer un numéro pour que les gens qui sont assez intéressés viennent vers nous et là, on voit comment on peut les aider D'accord. à gérer leurs entreprises. OK. Alors, vous avez ramené ce matériel. Oui, justement. Moi, je pensais que vous veniez nous offrir une télévision. Tout à l'heure, là, EcoBank est passé, ils nous ont laissé des bons. Vous venez aussi, après EcoBank, vous allez nous mettre la honte. Océan, c'est la première partie. Vous savez que nous avons une série de communications à faire. Je reviendrai et puis je viendrai vous voir. Et là, je viendrai avec des bonnes choses. Les gens vous disent super. Ça. Après, on a dit qu'ils vivent à Miami. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Parce que vous avez du matériel juste devant vous, un petit écran. Ça, c'est le desktop. Ça, c'est le desktop avec un écran Android. D'accord. Ça permet de faire des ventes, de faire tirer des tickets. Okay. C'est comme dans les supermarchés, les pharmacies. Ça génère des tickets. Ça génère des tickets. Ça, c'est tactile. Oui. L'autre, ce sont les TPE. On appelle terminal de paiement électronique. Ouais. Ça aussi, c'est pour faire la vente. Okay. Notre application, on le installe sur celui-là. Okay. Ça permet de faire générer des tickets. Ouais. Et quand le ticket sort, comme je le dis, vous, le propriétaire, vous êtes en licence, vous savez, non, voilà, telle chose a été vendue à telle heure pour tel client. Parce que ça vous permet aussi de mettre le nom du client. Ouais. Par exemple, le ticket qui est sorti, vous allez voir, en gros, on a mis la pause. Ouais. Ah. On n'a pas encore acheté. Hein. Ah, on a mis la pause. OK, d'accord. Et on met la pause, on met le nom du client et tout ce qui a été vendu. Et puis, bon, voilà. Donc, on a vendu pour 0 francs, c'est pas à la pause. Pour 0 francs à la pause. Moi, mettez les 15 000 de bons d'achat de banque. Bien. Alors, expliquez-moi mieux. L'application est installée ici. Au départ, l'application est installée sur votre téléphone. D'accord. Bien, bon, peut-être un ordinateur. Et c'est vous qui donnez la main sur le TPE. Okay. Quand vous donnez la main, ça dit que non, vous êtes le propriétaire. Genre, okay. C'est vous qui donnez la main. Donc, quand on fait une vente là-bas, vous avez sur votre téléphone des notifications de tout ce qui a été vendu. Okay. Et là, donc, voilà, votre stock qui était initialement est vendu à tel. Donc, tout ce qui se fait sur le TPE, vous avez une notification sur votre smartphone en laissant réel. D'accord. Oui. Et alors, tout le matériel, ça peut coûter combien s'il y a une personne qui voudrait aujourd'hui installer tout ça pour sécuriser son commerce et ses activités? On vient débourser combien finalement? OK, le TPE. Oui. Le TPE coûte 200 000. D'accord, OK. 200 000, bam. TTC, bien sûr. Mais comme je le dis, on est en promotion. D'accord. Quand tous les gens qui aimeraient, nous peuvent nous contacter, on voit qu'on peut gérer ça. D'accord. Le desktop, avec le cran Android, c'est à 300 000. D'accord, OK. C'est à 300 000. D'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, le logiciel, c'est par abonnement. Mm-hmm. Il y a l'abonnement d'une semaine mensuelle, trimestrielle et annuelle. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Merci. Alors, et s'il y a des personnes qui voudraient acheter et vous contacter ou alors venir visiter votre siège, est-ce que vous êtes localisé quelque part à Lomé? Oui, bien sûr. Nous sommes au niveau de Limousine, dans le vent du célèbre bar Champy Kilo. Oui. OK. Là, on a un immeuble là-bas, premier étage là-bas. D'accord. Oui. Un numéro de téléphone? On peut nous appeler sur le 90. Oui. 90. 34. 34. 31. 31. 79. 79. Voilà. Le 90, 34, 31, 79. Alors, moi, je veux juste vous laisser un petit message rapidement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Voilà. Pour leurs activités, vous voyagez. Ça, on sait. Après, moi-même, je suis détentrice de beaucoup de boutiques et je sais comment on me vole, on me truande, on me gruge, on me ramasse mon stock et je ne sais même pas où est-ce que c'est passé ni comment je peux pour contrôler. La seule solution à avoir, c'est d'avoir quand même quelque chose pour contrôler et votre stock et votre comptabilité également. Après, vous investissez
énormément, pas pour que votre commerce chute, hein, c'est justement pour que votre activité puisse vivre. Et donc, n'hésitez pas à débourser ce qu'il faut pour sécuriser votre activité. On vous donne aujourd'hui une possibilité d'avoir un regard 360 degrés sur tout ce que vous faites sur le plan stock et sur le plan finance. Et je me dis, c'est l'opportunité pour vous aujourd'hui de vous rapprocher de cette entreprise voilà. pour pouvoir bénéficier de cette promotion, parce qu'on est en cours de promotion, ils sont en cours de promotion, et également pour avoir un meilleur regard sur vos activités. Un investissement ne se doit pas d'être perdu. Un investissement, c'est pour que ça grandisse encore. Mais vous comprenez? Et après, quand vous aurez beaucoup d'argent, il faut aller à EcoBank déposer ça là-bas aussi. C'est pas mauvais. Merci beaucoup, en fait, Monsieur Yannick. Oui, excusez-moi de placer un dernier mot. En fait, on ne prend pas en compte les gérants. Hein. Parce qu'on ne veut pas le mettre à dos les gérants. On ne met pas à dos les gérants. C'est qu'on veut seulement permettre à tout le monde, même les gérants, de savoir comment tu gères ton stock. Exactement. C'est assez ça. On ne dit pas que non, voilà, notre application vient... Non, parce que de toute façon, on a besoin d'un être humain pour générer les informations et tout. Merci infiniment, Monsieur Yannick. Merci beaucoup. Bien, alors, je veux également qu'on puisse réaccueillir ici Miss Martha. On va partir avec son jingle Défi Mode. Elle vient avec une armée de charmantes dames. Attention, ne soyez pas choqués, c'est la beauté du Togo qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Et on va finir cette émission avec les deux plateaux, plateau culinaire et plateau mode. Vous allez juste adorer. Jingle Strass et Paillettes. Ah oui, c'est ça, Strass et Paillettes. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou... Alors, le dernier plateau, nous sommes avec Madame Kenvy, on parle cuisine, mais on est également avec d'autres invités. Alors, je vous donne ce micro. Bonjour Madame Zelda. Tu fais comme si tu étais une étrangère. Non, c'est parce que ta beauté ce matin. Ah, louloulou. Tu sais, les choses on dit dans la bouche comme ça, la même écho a compris que quand on est au océan, là, on ne vient jamais la même vidéo. Hein? Est-ce que tu as des choses pour nous? Miss Martha, est-ce qu'elle a des choses pour nous? Normalement, ça, oui. Elle a ramené quoi pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle est là d'abord, Miss Zelda? Déjà... Miss Zelda ou Madame Zelda n'est plus à présenter, mais pour celles qui, pour ceux plutôt qui ne la connaissent pas, j'aimerais quand même qu'elle nous parle un tout petit peu d'elle avant qu'on ne parle de l'événement pour lequel elle est là. Merci Martha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Contente d'être là encore ce matin. On est très heureux aussi. On m'avait super manqué. Toi aussi. Tu nous as manqué. Merci. Alors Zelda, qu'est-ce qu'on organise cette fois-ci? Plein de trucs. Mais là, déjà, on va parler de l'expo qui a commencé aujourd'hui. L'Afrochic Market. L'Afrochic Market qui accueille beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font vraiment du ouf. Sur la petite table à côté de Yannick et Martha, il y a des produits, voilà. Du champagne, voilà. Fait à base de vin de palme. Des jus. C'est tout roulé. Voilà. Tout est local. D'accord. Et déjà, je suis venue avec... Winky Art, qui n'est plus à présenter aussi. Voilà, qui fait du ouf. Et Loli Sound Global, voilà, qui représente les produits sur la table que voici. Et j'ai plein d'autres produits, plein d'autres accessoires voilà, que j'ai en main. Et voilà, et on vous invite vraiment à venir nous soutenir. D'accord. Ça se passe au restaurant Odessi, qui est juste derrière le supermarché Queen Store. On est toujours à Agouet. Okay. Ce serait quand? De quel jour à quel jour? On a commencé aujourd'hui et on finit le 6, du 2 au 6 juin. D'accord. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? De 10h à 23h.
10h à 23h. Et on a une soirée karaoké qui va se faire, qui va se dérouler le jour de Pentecôte. Okay. Le dimanche. Et le dimanche, voilà. Et on invite tout le monde à venir chanter avec nous. Eko Bangto. C'est pas compter de l'argent. Hein. C'est pas, il ne faut pas venir faire ton marché dans notre marché. On a un truc de marché. Alors, Zelda, je sais que vous faites souvent vos expos à thème. C'est quoi le thème de cet événement? Le thème de cet événement, il y a plein de trucs qu'on va se dire, mais c'est plus accentué sur est-ce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend? Est-ce un don? Il y a plein de trucs qu'on va échanger, plein de donc trucs. Donc, ça sent le débat. Dire. Exactement. Okay. Okay. Et je vous promets que ça va être intéressant. Je ne veux pas trop en dire. Je reviens à Madame Kevin. Tu veux trop en dire alors qu'il s'en va être 13h. Et nous, on n'a même pas encore mangé aujourd'hui. Bien, Yannick. Oui, moi, j'ai découvert le livre de Madame, Quoi cuisiner, très récemment. Et je peux dire que c'est un bon livre qui regroupe vraiment plein de mains. Maintenant, ma question pour Madame Kevin, c'est est-ce que vous avez une casquette de chef cuisinier, déjà. Okay, bon, merci. Ou bien vous êtes écrivaine culinaire. Voilà. Bon, je me présente d'abord. Oui. Je suis, comme vous l'avez dit, Janine Akosiwa Degbekenvi. Je suis écrivaine et je suis également la directrice d'un centre de couture pour de jeunes filles malentendantes, sourdes muettes. Et donc là, aujourd'hui, je suis là en tant qu'écrivaine. Je ne suis pas que dans l'art culinaire, mais j'écris sur la santé aussi, bien que je ne sois pas de la santé. Ce que je fais souvent quand l'inspiration vient, j'écris et je soumets aux professionnels du domaine, donc qui m'accompagnent et puis on sort le livre. Je suis à ma 4e publication. Mais alors, pourquoi un livre sur la cuisine? Voilà, ça c'est mon tout dernier bébé. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez dit une phrase qui résume vraiment ce qu'on a ici. Vous avez dit, si vous êtes en train de nous regarder et que vous manquez d'inspiration, voilà. Le manque d'inspiration. Ça nous arrive. C'est pour répondre à ce problème de manque d'inspiration que nous rencontrons souvent. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous tous ici, on connaît ça. Il n'y a pas de maison où un jour, la personne qui est en charge du repas, si c'est madame ou si c'est monsieur, n'est pas là et qui se demande mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Non, ce qui énerve, c'est ça. Chérie, tu veux manger quoi? Les enfants, vous voulez manger quoi? Maman, faut décider. Tout ce que tu veux. Maman ne sait pas. Et maman est toujours là en train de... Qu'est-ce qu'on va encore manger aujourd'hui? C'est ça pourquoi ce livre est écrit. Voilà. Alors, ici, nous avons 504 propositions d'idées. Wow. 504. Qui regroupent ce que nous mangeons souvent en Afrique de l'Ouest francophone. C'est un livre qui vient en complément à un livre de cuisine classique. Super. On est d'accord que s'il faut mettre 504 recettes dans un livre, on ne peut énorme. Pas. Ouais, donc, ce livre, c'est qu'est-ce qu'on va encore manger aujourd'hui? On ne pose plus cette question. Cette question, on ne la pose plus. On ouvre seulement. On prend juste son livre et on a énormément d'idées, exact. Énormément de propositions avec des accompagnements. Et puis, si vous regardez à la page 40... Oui, je vais vous aider. Alors, à la page 40, à la page 40, voilà, et 41, vous avez des pointillés. Voilà. C'est la suite de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, si chez vous, vous aimez bien un plat ou vous avez des livres de cuisine qui présentent des plats que vous aimez préparer, vous continuez la liste, au fait. Vous mettez les noms. Vous continuez à écrire votre livre. Vous avez une table de matière. Vous continuez, vous mettez les noms. Et sur la page 41, vous avez un tableau qui permet de faire son planning de repas de la semaine ou du mois ou de l'année, si vous voulez. Et maintenant, quand vous voulez, vous prenez juste le livre. Vous pouvez photocopier cette page-là. Hein. Vous photocopiez ça plusieurs fois. Vous asseyez 5 à 10 minutes, ça suffit. Vous faites votre planning pour la semaine.
pour le mois, pour l'année, si vous voulez, vous ne vous tracasserez plus. Vous savez quoi? Vous venez d'apporter une autre solution à toutes ces dames qui sont super, elles sont très occupées. On n'a pas toujours le temps. On veut juste faire de la cuisine rapidement. Encore, nous tous, hein, que ce, si c'est un homme célibataire, il a le même problème. Effectivement. Un foyer, madame, qui ils ont tous le même problème. Mais le livre est disponible où, madame Quinvé? À Lomé, vous l'avez dans beaucoup de pharmacies, dans les librairies, dans des supermarchés. Mais on va aussi donner des numéros sur lesquels vous pouvez nous suivre. Mais nos produits, aussi bien les produits de, la, de notre centre que les livres, sont représentés par... la galerie, le coin du terroir, juste en face de la mairie. Oui. Donc, vous pouvez trouver là-bas. Sinon, nous sommes en Côte d'Ivoire, à la librairie de France. Nous sommes au Bénin. Vous pouvez nous contacter et nous vous donnons les points de vente proches de chez vous. Alors, je crois que le numéro, c'est le 90 89 85 25. Oui. Voilà. Le 90, 89, 85, 25. Si vous avez on envie d'avoir... un deuxième. Oui, allez-y rapidement. 98, sans... Madame, bonjour monsieur, merci d'être à Alvala ce matin. Bonjour chers téléspectateurs, chers amis.